Welcome TV. Tolanda actualité au docteur Mama Olive Lembe Kabila na Lubumbashi et na kozonga la bine de soso after to moni vidéo wana les œuvres de notre mama qui est en train de faire. Amen. Pour lancer ces opérations, l'épouse du chef de l'État, Madame Marie-Olive Lembe Kabila, aussitôt arrivée au centre, se vêtit de la tenue chirurgicale pour assister elle-même à ses interventions. À l'instar de l'équipe médicale, elle tient plus d'une heure debout, du début à la fin de l'opération. Sur le lit, ce petit garçon, Wemby Joyce, âgé de 2 ans et qui aura désormais une nouvelle apparence grâce à l'implication personnelle de la Première Dame de la République qui ne baisse pas le bras quand il s'agit de la santé et du bien-être des Congolais. Pour cette première phase, une 40aine d'enfants est concernée sur 100 ciblée dans la capitale Kinshasa. C'est le docteur Ntalaja, neurochirurgien, qui supervise ces opérations. Quand les enfants naissent avec des grosses têtes, ce ne sont pas des sorciers ou quoi, ce sont des maladies comme toute autre maladie liées seulement à un problème de parents qui ne vont pas faire leur consultation prénatale, des mamans qui ne s'alimentent pas bien, et c'est tout ça qui est à l'origine. Et maintenant, nous avons la solution avec tous les Congolais, et avec la solidarité congolaise, avec Maman Olive, qui est la marraine qui soutient cette solidarité. Nous sommes convaincus que nous résoudrons ce problème et nous traiterons nos enfants. Plusieurs autres enfants en attente seront pris en charge jusqu'à la fin de la campagne. Face à cette pathologie, la Première Dame de la République a tenu à sensibiliser les mamans pour le respect des consultations prénatales afin d'éviter ces malformations. Bah maman, s'il vous plaît. Chère maman, je voudrais vous inviter à respecter les consultations prénatales pour prévenir la bonne santé des bébés. Consultation prénatale. Ezana mutuya mingi pour que mwana oyo kobota abota mana santé akitoko.
Un enfant qui vient au monde avec malformation est toujours sujet d'une très grande souffrance. La science aujourd'hui a beaucoup évolué et peut nous orienter avant tout accouchement. Pour science aussi évolue en Angola. Parce que ce qui va remarquer moi anomalie kuna na munganga isiko kokende. Ye akoyeba orientation nini apesa yo. Kisi nini akomela yo. Vitamine nini apesa yo. Recommandation nini apesa yo pour que santé ya yo moko na ya mwana ezala malamu. Marie-Olive Lembe Kabila, qui ne fait rien à moitié, compte étendre cette campagne à travers le pays où ces cas ont été répertoriés en grand nombre. Oli Ilunga, ministre de la Santé publique, a promis un accompagnement de son ministère pour la réussite de la campagne. Il a également remercié le couple présidentiel pour cet énième apport dans son secteur. Retenez que l'hydrocéphalie est une malformation qui grossit la tête suite à l'obstruction des canaux d'évacuation des eaux et le spina bifida est une hernie dans une partie de la moelle épinière et qui affecte la colonne vertébrale. Inutile, les cas là où ils ont fait la tête, ils ont encore la tine à tête pour voir comment on a mal. On a opté là, on a pas perdu que de l'ibosso. Il faut que la déjà à Rebongama, c'est-à-dire na mundu qui na masasi, deux cartes ensemble. Oya peperde, na oya l'état, ya seni. Parce que nous tous nanano, Kabila Nenga Vandiwana, a comme président de la République Ndengenini. A comme président de la République Ndengenini. A salagi coup d'état. A bomagi moutou. A salagi kamwena sapu. Bino batu boblima que azalawana. Donc ce que tu lingi e ou mela lisusu, ba makamona biso kende li bosso. Ba mina kubazale siga bazali. Ba tu bele bele ba kojizo ya na bango ba kamaradi ya parti bazalawana. E lingi kolo ba mundu ki toza nangwe za nini? Ma ponomi, il faut ko kende eleksyon. Pona eleksyon ozalana tina. Il faut payer ma combo na yo, il faut zala na carte. Oya zala na carte pe, ata oza moutou a pepe, data elongi na yo yebana. Mwaye o vote e, ezate. Donc à partir ya lelo, te, mwa na mama ozo ou me la pona a, nini. Mwa ba sa relete, bozo pe la. Ata so ozo pe la, ozo sa la reluma. Okomi, niveau endenye nini, aussi on s'enrôle dans le quartier na yote pour na nini alors que zaka pembeni tout na ba lieu d'enrôlement ya quartier na quartier okende kuna tozala ebele élections ala na mo pas cité elingi koloba to konté na ndenge tozala ko konté na école primaire batu oyo balati jaune baza combien baye balati rouge bazali combien baye baleki Baju Bokomzi. Donc, nombre, pour le nombre, on est à l'ébélé dans Souka, il faut les banderies à la déjà ébélé. Pour ceux qui sont voisins, vous pouvez s'enrôler ébélé. Longa. Bago Pile Bisso. Donc, moi, dans ma Keba, on est que ça, là, ils arrivent à avoir un entraînement. Si vous aimez match à solo, et bandit. On te dit que vous avez un mangongo, un échauffement le mando. Si vous avez entraînement et sili, match et bandit. Pour la combattre à la terre au bêta, il faut avoir la carte dans le monde de maman, je la dis ça. Si vous avez la carte, vous pouvez moi la maman, vous pouvez la pourtour. Peut-être Boyoki, Namboka Oyo. Ba dongolomiso ba sili na lute. Mboka oyo ekweite parce que bana peperde bazali ya kote lema. Sinon te depuis l'année passée, balaki na ite na bango ya osala mongunu po na baboto la bokonzi. Mendenge tozo tondi sanjungu kaka, ba oba tinda ka bango ya mindele ya libanda, bago niko banga.
Problème, il y a un problème à partir de la cellule de base.
Parce que nous avons dit que nous tenions sur ce moment. Mais à partir de la cellule de base, nous avons dit que nous sommes là, nous avons fait le moutou, nous avons un problème, nous avons un moussalaté. Cellule de base, nous avons fait la macamouana. Pour le cas, pour ce qu'on a négligé, cellule de base, nous avons recouvert. Pour moyen, nous avons fait comme un niveau Oyo, et ça passe. Donc, nous avons dit la cellule de base, comme un niveau de regroupement. Oyo, papa, mon gazo, ça, les a regroupement, la cellule de base. Parce que, Oyo, il y a 50 personnes. De sorte que ceux qui ont besoin de mobiliser Batou, n'ont pas besoin que nous n'ayons pas voté. Il suffit de messager comme là, Oyo, il y a une cellule de base, il y a dit que l'Obi, il y a 20 000, 30 000, 40 000 personnes. Vous voyez? Donc à partir de là, le même côté boyé, il y a que attachement na yo ya liboso, ils ont encore la missis ça pour nous aider tellement, ils ont des cellules de base. Tu vois Kami? Donc on négligeait en côté pour envoyer ma identité à Mutu, Nicolo et Komaga on a pas perdu. Yosa y a côté ni, abisso panafricaniste, abisso bas socialiste, abisso ceux qui jeunes leaders, abisso les olives, Batou et Belé, Kunande. Parce que votre ça est belé, toujours sur Bango est belé, pour la repère sa matière. Pour que tu apprennes la mitoua Batou, pour ceux qui te connaissent ici Batou, moi, je suis belé. Le lot, la moni, ma saota, la ma mission, ma belle, pour la bosse à la génération Kabila. Tu es la tangue d'inopé, génération Kabila. Parmi la série, le sala qui est au sala, hein, n'est-ce pas la caca, boy. Pour que ça la mote de mini, ah ouais, ah, qui toko. Voilà ce que nous avons dit, voilà ce que nous avons dit. Bon, il est. Tu vois, quand il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Voilà. Voilà l'identité de la bise. Si tu écoutes un temps à l'ONZE, tu peux s'en sortir. 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 Tu peux s'en c'est que c'est bon. Peuple de Moto. Sikoyo, Baptiste Moué Bandi. Vous avez un na mutu carte na ye, pour vous assurer que Makambuno Nyonso, Kombo, Age, Nini, Elongi, et Tigali na machine awa. Mouta Oko se dit so, Aza Soussoufé, parce que, à cause de la Makamba, Yaza la Soussou TTT. Bilembo Tigali awa. Peuple de Viva. Bakar Tango Yangoyo, Gani Aro Bandana, Bana Bashi, Talagami Bani. Bon. Malheureusement, tout le monde est mobile. Tout changé, hein? T'es là, t'es là, ma mère. On est dans une situation où c'est ce que vous vous dites qui renforce l'extrémisme. Quand vous dites que l'immigration pose un problème, il faut aussi parler des avantages de l'immigration. Parce que moi, quand je travaille en France, je paye mes impôts ici. Donc les étrangers qui sont là, il y a une partie qui peut travailler et envoyer au pays aider. La majorité paye ses impôts, s'installe dans vos pays, enrichit vos pays. Donc ce sont des citoyens productifs. Après, il faut voir, il y a une minorité qui vient, il y a des morts, certes. Mais je voulais souligner une chose. Le discours que vous avez, il est encore légitime tant que l'Afrique restera muette. Et moi, aujourd'hui, je voulais m'indigner pour le silence de l'Union africaine. Les gens-là qui meurent sur les plages, et je mesure mes mots, si c'était des Blancs, la terre entière serait en train de trembler. Ce sont des Noirs et des Arabes. Alors, eux, quand ils meurent, ça coûte moins cher. Ici, j'étais venue en 2008 et j'avais dit, l'Union européenne, avec ses flottes de guerre, avec son économie, je vous dis une chose, si on voulait attaquer nos pays ici en Occident, il y aurait des moyens de se défendre. Donc si on voulait sauver les gens dans l'Atlantique, dans la Méditerranée, on le ferait. Parce que les moyens qu'on a mis pour Frontex, on aurait pu les utiliser pour sauver les gens. Mais on attend qu'ils meurent d'abord. C'est à croire que le laisser mourir est même un outil dissuasif. Et je vais vous dire une chose, ça ne dissuade personne. Parce que quelqu'un qui part et qui envisage l'éventualité d'un échec, celui-là peut trouver le péril absurde et donc l'éviter. Mais celui qui part pour la survie, qui considère que la vie qu'il a à perdre ne vaut rien, eh bien celui-là, sa force est inouïe, parce qu'il n'a pas peur de la mort.
Mais c'est exactement voilà. Pourquoi il faut fermer des frontières complètement. C'est exactement pourquoi votre discours, il faut sauver l'Afrique et sauver l'Europe. Vous ne pourrez pas rester comme des... Monsieur, des gens vous ne resterez pas comme des poissons rouges dans la forteresse européenne. La crise actuelle nous a démontré ça. Au jour d'aujourd'hui, l'Europe ne sera plus jamais épargnée tant qu'il y aura des conflits ailleurs dans le monde. L'Europe ne sera plus jamais opulente tant qu'il y aura des carences ailleurs dans le monde. On est dans une société de la mondialisation où un Indien gagne sa vie à Dakar, un Dakarois gagne sa vie à New York, un Gabonais gagne sa vie à Paris. Que ça vous plaise ou non, c'est irréversible. Alors trouvons une solution collective ou bien déménager d'Europe parce que j'ai l'intention de rester. Quand vous, quelqu'un part, c'est comme quelqu'un qui est élu, choisi, peut-être le plus débrouillard. Et il y a tout un clan ou toute une famille qui pose son espoir sur cette personne-là. Monsieur, là, je vous vois bien habillé, bien nourri. Si vous étiez affamé chez vous, peut-être que votre famille serait ravie d'imaginer que vous pourriez aller gagner de quoi faire vivre les autres. Donc c'est aussi une solidarité qui est en œuvre. On laisse partir quelqu'un, on compte sur lui. Vous allez me laisser terminer. Et Schengen, entre guillemets Schengen, ça me permet d'être invité aux Pays-Bas, monsieur, donner des conférences dans vos universités. Quand ils trouvent que mon cerveau est convenable, là, ils l'utilisent. Par contre, ils sont embêtés à l'idée d'avoir mon frère, qui n'est pas aussi diplômé que moi et qui pourrait avoir peut-être envie de travailler dans le bâtiment. Donc, vos pays deviennent schizophrènes. On ne peut pas trier les gens comme ça avec les étrangers utiles et les étrangers néfastes. Et la deuxième chose que je veux dire aussi, c'est que les Européens, là, on voit des Africains qui viennent, d'accord ? Ce mouvement, ce déplacement de population, on le voit. Mais on ne voit pas le mouvement des Européens allant vers les autres pays. Alors, celui-là, c'est le mouvement des puissants. Ceux qui ont l'argent, ceux qui ont le bon passeport. Donc vous allez au Sénégal, vous allez au Mali, vous allez dans n'importe quel pays du monde, au Canada, aux États-Unis, partout où je vais et je voyage tout le temps, je croise des Français, des Allemands, des Hollandais. Je les rencontre partout sur cette planète parce qu'ils ont le bon passeport. Donc comme avec l'exotisme, l'Europe s'était arrogé le principe unique, unilatéral, de l'exotisme. Les autres sont exotiques. Alors que pour quelqu'un de mon village, il n'y a rien de plus exotique que quelqu'un d'Amsterdam. Maintenant, pour l'étranger aussi, pour les voyages des temps modernes avec la mondialisation, quand les pauvres viennent vers vous, il y a des mouvements de foule qu'il faut bloquer. Mais quand vous, avec votre passeport et avec toutes les prétentions que cela donne, vous débarquez dans les pays du tiers-monde, là, vous êtes en terrain conquis. Donc on voit les pauvres qui se déplacent, on ne voit pas les riches qui investissent dans nos pays. L'Afrique se développe en taux entre 5 et 10%. Ce n'est plus de la progression, c'est de la surchauffe. Sauf que quand des pays du tiers-monde se développent et qu'ils n'ont pas les moyens pour gérer tout ça, il faut une ingénierie, il faut une formation, il faut des populations pour installer une démocratie. Là, cette surchauffe-là, vous avez besoin qu'on reste dominé pour servir de débouché à l'industrie européenne. Alors il faut arrêter l'hypocrisie. On sera riches ensemble ou on va se noyer tous ensemble. Et je pense que l'Afrique et l'Europe, par exemple, sont là comme des enfants qui se regardent à travers un miroir déformant. Il serait enfin temps qu'ils se respectent, enfin qu'elles se respectent suffisamment pour que l'Europe arrête de nous envoyer ses déchets industriels pour construire avec nous de véritables industries, pour que l'Europe participe à ce développement et que l'Afrique, 60 ans après les indépendances, arrête de dire c'est la faute des autres. Au bout d'un moment, indépendance, c'est responsabilité. Si nous sommes vraiment indépendants en Afrique, nous sommes aussi responsables de notre destin. Et ça ne se fera pas sans les Européens et l'Europe ne s'en sortira pas sans l'Afrique parce que sinon nous serons un boulet que vous traînerez. Donc ce monde-là est lié et je pense que l'entente, je rêve d'une entente, d'une fraternité. Oui, je sais, ça fait bisounours, mais il me faut garder cette utopie-là pour garder le courage d'écrire toutes les nuits. Parce que j'ai fait le vent de l'Atlantique il y a bientôt 12 ans. Aujourd'hui, à l'époque, quand je parlais de dizaines de morts dans l'Atlantique, on me disait « tu exagères ». Maintenant qu'on les ramasse par milliers, je suis absolument triste de devoir réaliser tout simplement qu'en tant qu'auteur, je ne fais que répondre à l'injonction de Schiller. La dignité de l'homme est remise entre vos mains, gardez-la. Vive mon Bonima, le bon choix des Gabonais, c'est mon Bonima, le bâtisseur du Gabon, c'est mon Bonima, le doyen de l'Afrique, c'est mon Bonima. Oh, 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 oh
ce peuple gabonais. Soyez peuple gabonais, bongo ondima. Yango de démocratie na katia kabo. Banani mende kite ma kole kateo. Bongo ondima. Vive, vive, vive bongo ondima. Le bon choix des gabonais, c'est bongo ondima. Le bal qui sort du Gabon, c'est bongo ondima. Congo pour la jeunesse gabonaise, avec Congo, Gabon d'abord. Manani mette qui te m'a collé Kateo, Omar Bongo. Vive, vive, vive bon 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 bon. C'est bon, on y va. Vive, vive, vive bon, on y va. Le bon choix des Gabonais. C'est bon, on y va. Le bâtisseur du Gabon. C'est bon, on y va. Banani va te quitter ma colle et canteo. Banani va le vaquer à coco canteo. Soto pour une émission pour moi, on y va. Oye, si tomo ni na miso, eh. Tenor de dialogue, hombre congolais.
Solo la. Me la, se conoce con.